Bonjour à tous, eh bien je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Brigitte aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partir sur une thématique, la thématique des petits paquets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la thématique des petits paquets, c'est le tour de cartes, très peu de cartes, qui est faisable de près, et surtout, c'est facile à transporter. C'est dans le livre de Daniel Rod, alors un vieux livre bien entendu, des années 90, dans le qui s'appelle « Plus secret, secret », que j'ai trouvé une pépite, figure-toi. Ah ouais ? Donc, maintenant, eh bien, place à la magie. À tout de suite. Alors Brigitte, je te propose un petit test d'observation. T'es prête ? Je suis prête, comme toujours. Un tour avec des as. Oui. D'accord, jusqu'à là, ça va ? Ça va, c'est pas compliqué, hein. Normalement. Alors, regarde. Donc, oui, alors ce que je vais faire, je vais te présenter, tiens, l'as de trèfle. D'accord. D'accord. Je vais le mettre ici. D'accord. D'accord. Je vais prendre un deuxième as. Tu es d'accord avec moi ? Deuxième as, l'as de pique. Oui. D'accord. Que je vais laisser sur le tapis. D'accord. D'accord. Ici, les as rouges, je montre. Tiens, si je te pose la question, où se trouve l'as de pique ? Il est en première ou en deuxième position ? Non, moi, je dirais en première position. Première position. Très bien. Alors, regarde. Et maintenant, si je remue comme ça, mon paquet en main, d'après toi, il est toujours en première ou en deuxième ? Moi, je dirais première position. Première position ? Oui. On vérifie, les amis ? Oui. Ben, regarde. En main, j'ai les as noirs. Oui, ben, ils ont changé de... Au lieu d'être là, ils sont devenus là. Oui, c'est normal, quoi. Ben non, c'est pas normal. Et... Il faut suivre, hein. Bah, il faut pourtant, je suis, hein. Bon, d'accord. Alors, regarde, je te propose une autre expérience. Oui, ça va être chaud. Alors, regarde, as noir, je pose. Ouais. Et ici, on a les as rouges. Oui. Il suffit simplement, en fait, de claquer dans les doigts pour qu'aussitôt, eh bien, le premier as remonte. Mais c'est impressionnant. Et enfin, le deuxième. D'accord. Est-ce que tu as compris maintenant ? Ben, que c'est compliqué, oui. Regarde, je vais aller plus lentement. Les as noirs, les as rouges. Oui. D'accord ? Et d'ailleurs, on va faire pire. Je vais mélanger un peu les cartes. D'accord. D'après toi, les as sont noirs sont sur le dessus ou sur le dessous ? Tu on sais plus. On va dire sur le dessous. Hein, on vérifie ? Paumé, on ouais. vérifie ? Alors, regarde, si je regarde la première, ah ben non, là, c'est un jeu. C'est un joker. Bah, c'est pas normal. Un joker ? Attends, oui. Je vais y retourner. Ah bah. Encore un joker. Oh non, mais si. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, ouais. Et à toi aussi d'ailleurs. Ah, ça c'est malin, oui. C'est qu'en fait, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, il n'était qu'une illusion. Ouais, c'est pas possible, on l'a vu. Oui, mais regarde, depuis le début, je n'ai que des jokers. Non, mais c'est... Comment voulez-vous qu'on arrive à suivre ? Moi, je comprends pas bon, trop, mais... J'avoue que ce tour, c'est le tour qui rend fou. Oh, mais bah, clairement, parce que même moi, la première, j'arrive pas à suivre. Hein, Les amis, j'espère que ça vous a plu. Un tour de petits paquets qui est faisable partout, de près, surtout de près. Voilà, je suis très heureux de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez regarder mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre la semaine prochaine, samedi prochain, car il y a un tour qui arrive qui est génial. Allez, Brigitte et moi, on vous dit ciao et à bientôt. Ciao, ciao.